Pierre Béjagi. Oui, merci Monsieur le Président. Effectivement, il nous semble important, au travers de cette démarche réglementaire, d'affirmer notre ambition, hein, comme ça a été exprimé par le vice-président, et se mettre en mouvement, comme ça a déjà pu être fait dans d'autres communes qu'à Grenoble et d'autres territoires d'ailleurs, pour libérer nos espaces publics, nos entrées de ville, nos avenues, de cette publicité subie. Donc la ville de Grenoble a déjà démontré que les panneaux, les fameux panneaux 4x3 ne sont pas une fatalité. Cette démarche a été reconnue nationalement et internationalement. Pardon. Nous allons par ailleurs avoir le débat, ça a été dit aussi par le vice-président, sur les grandes orientations de notre PLUI au travers du PADD, avec une vigilance qui sera portée sur la qualité de notre paysage. Donc tout ça, c'est un ensemble cohérent et complémentaire. Nous sommes persuadés que, et nous pourrons en avoir d'ailleurs la confirmation lors de la phase de concertation, hein, qui est prévue avec tous les habitants, hein, que les métropolitains nous suivront dans cette démarche et préféreront plutôt voir des arbres que des panneaux. Donc nos collègues grenoblois ont ouvert la voie, poursuivons-la sur la métropole, soyons audacieux, innovants et démarquons-nous sur ce sujet. Merci beaucoup.